se retrouve dans les rues de Paris. Donc on est dimanche après-midi. J'ai pas du tout vlogué ce matin, ça a été beaucoup plus difficile de le faire que ce que je pensais. Mais le dimanche matin, la routine est souvent la même. On commence la journée par un bon footing, histoire de garder le cardio en forme et faire du sport. Et ensuite, samedi, j'ai bien cuisiné, j'ai fait un petit risotto d'asperges, risotto de sarrasin aux asperges. Une excellente recette d'une de mes potes qui s'appelle Laure, qui a un excellent compte Instagram. Il s'appelle Food Explorer, je vous mettrai le lien dans la description. C'est très très, très bon compte Insta si vous aimez cuisiner. Et cet après-midi, on réussit le défi d'aller au Louvre. Je vais y rester quelques heures et ensuite je consacre tout mon dimanche après-midi au travail pour bien commencer ensuite la semaine et pour éliminer un max de tâches avant de reprendre le lundi. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve en tout début de soirée après avoir passé une excellente après-midi, c'était vraiment cool. On est allé au musée du Louvre et j'ai pu visiter toute la partie sculpture française qui était vraiment ultra intéressante. C'était assez passionnant et ensuite on est passé un peu dans les appartements de Napoléon III qui sont, ma foi, très jolis. Donc je vous recommande grandement d'y aller, c'est clairement le moment d'aller dans les musées avec la réouverture à les jauges. Donc pensez à bien réserver vos billets, évidemment, mais c'est clairement le moment d'en profiter et tout ce confinement m'a fait prendre conscience qu'il faut que j'aille encore plus au musée, même si j'y allais quand même assez régulièrement, mais qu'il faut vraiment en profiter beaucoup plus. Sinon, l'après-midi s'est arrêté assez subitement vers 15h30-16h, puisque j'ai l'habitude de passer mon dimanche après-midi à travailler. Donc samedi, je vous l'avais dit, je travaille pas du tout. Mais par contre, dimanche après-midi, je suis au travail, ça me permet de traiter tout ce que j'ai soit pas eu le temps de faire dans la semaine, soit tout ce que je veux anticiper pour la semaine prochaine. Je réponds des mails, je traite des dossiers bien au calme, sans être dérangé. C'est vraiment un travail qui est ultra précieux pour moi, parce que en fait, je suis pas dérangé et je peux bien tout programmer. Donc c'est ultra cool. Et il me restait un peu de temps, donc j'ai lancé le site web de 4212, 4212.fr, qui est un podcast de productivité que j'aimerais bien lancer, des interviews de personnes super productives qui donnent des conseils, donc je vous emmènerai avec moi dans cette aventure, et je publierai sûrement des extraits sur cette chaîne d'ailleurs, en fonction de ce qui se passe. La semaine prochaine s'annonce super chargée, là on en est à l'épisode 5 du podcast, donc on va bientôt passer la barre de la semaine de vlog, pardon, pas de podcast, de vlog, donc ça va être plutôt intéressant, ça va devenir de plus en plus intense. J'essaye de vous faire vivre les dessous de cette aventure et je vais essayer de vous donner des choses encore plus croustillantes dans les jours qui viennent. Et j'aimerais bien potentiellement, si le temps me le permet, lancer d'autres formats de vidéos que juste les vlogs, mais on reparlera de tout ça dans le futur. Voilà, moi je vous souhaite une très bonne soirée, je vais profiter de mon dimanche soir juste après avoir monté ce vlog. Ciao.